Jeune homme, tu as dit que ton nom c'est Azubike. Oui, Sa Majesté. Oh oui, et c'est maintenant que je m'en rappelle. Tu as vraiment grandi. Merci, Sa Majesté. Bien, j'ai reçu le message que tu voudrais voir mon cabinet et moi. Je savais pas que c'était toi. Bienvenue. Merci énormément, Sa Majesté. Mes anciens. Votre Majesté. Je voudrais que tous nous entendions ce qu'il a à nous dire. Son nom c'est Azubike. Azubike, nous sommes tous, oui. Sa Majesté. Igwe Omekanaya 1 du royaume d'Abodji, je vous salue. Et tous les membres du cabinet, je vous salue tous. Mon fils. Et je dois vous dire, je suis heureux de me tenir devant vous aujourd'hui. En fait, je vais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers le bon service que vous avez rendu à cette communauté. Je suis très, très impressionné. Je t'avais dit. Et je veux aussi vous dire que je suis aussi revenu pour pouvoir aider à construire cette communauté, afin que d'autres villages puissent aussi nous envier. Vous savez, toujours de la charité bien ordonnée commence par soi. Mes anciens, j'ai beaucoup d'initiatives. Et une de celles-ci est... Je veux construire un hôpital de normes internationales dans ces villages. Ajoutez à ceci, je veux aussi faire construire un forage public. Un forage appartenant à tout le monde. Afin que les gens de mon village puissent avoir l'accès à l'eau potable. Merci beaucoup, soyez bénis. Je vais donner à plusieurs écoles d'enfants une récompense de bourse de 2 ans à chacun. Wow, c'est extraordinaire. Une très bonne éducation de qualité. C'est beaucoup. Et ça, c'est pour mon roi que j'aime beaucoup ici. Igwe Omekanaya 1 de cette terre. Bien entendu. L'arbre d'Iroko de cette terre. C'est ça. Un homme de principe et de justesse. Tu le sais. Vraiment, c'est ça. Igwe, vous savez que j'ai acheté pour vous une nouvelle voiture. Non, mais c'est une voiture. La voiture. Et je vous la donne en appréciation à tout ce que vous avez fait. Igwe, vous êtes une bonne personne. Et votre voiture arrivera dans les palais avant que la nuit. Before nightfall. Honnêtement, je suis ému de joie. Mes anciens, on dit toujours quand un bon monsieur est béni, la communauté s'en réjouit. Aujourd'hui, nous avons le privilège de basculer à un moment important pour notre communauté, notre fils. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci. Sincèrement, nous n'avons jamais vécu un tel moment depuis les temps de nos ancêtres. Jamais. Nous sommes fiers du changement que tu veux apporter sur nos terres. Oui, exactement. Que les dieux, nos ancêtres, continuent à vous bénir abondamment. Bonjour, ça va? Naira, juste pour la noix de cola. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr.
Alors. J'ai eu même de l'argent que je ne comptais pas avoir. Monsieur Doka. Mon frère, est-ce que nous pouvons dire que Ichie Ikemba, il n'était pas au courant qu'aujourd'hui qu'il y avait réunion avec le roi? Qui a dit qu'il n'était pas au courant? Qui l'a dit? Mais, pourquoi il n'était pas venu à la réunion? Ichie Ogono. Oui. Ichie Ikemba ne pouvait pas venir. Mm-hmm. Parce qu'il sait que Azir Wike est celui qui voulait nous voir. Tu vois un peu. Mm. Il était venu ici hier. Et il m'a clairement fait savoir qu'il ne pouvait pas venir. Ok, je demande ceci. Qu'est-ce qui est arrivé alors à ces 5000 naira qu'il devrait avoir? Tu es en train de parler des 5000 naira. Tu ne sais vraiment pas ce que est Ikemba. Ikemba sera la dernière personne à percevoir cet argent. Même venant du roi, il ne peut pas percevoir cet argent. Hein? Ichie Udoka, ça c'est un problème sérieux. Oh? Honnêtement, et je me demande pourquoi Odeli Son doit accuser Ichie Ikemba avec ses propos. Je veux seulement savoir. Absolument rien. Tout ce que je sais dans ma vie, c'est qu'Azubu Ike, ce garçon est vraiment une bénédiction pour notre communauté. Oui, c'est ça. Hein? Tu vois cet argent? C'est beaucoup. Ça va. Oui, c'est ça, tu as raison. Ça va beaucoup nous aider. Tu vois, c'est deux portions de terre. Je voulais en avoir quatre. Mais mon voisin a refusé de vendre les deux parties restantes. Viens, je vais te montrer. Pourquoi est-ce que ces gens sont très méchants comme ça, hein? À partir d'ici, mm-hmm. jusqu'au palmier là-bas au coin. Oh, quel palmier? Ah, oh, c'est palmier là? Ok, je vois. Peux-tu voir la borne noire? Oui, je vois. C'est ça la limite. Non, mais c'est grand, non? Est-ce grand? Pourquoi tu veux 4 sur 4? Ah. Non, mais je voulais en avoir. Non, est-ce que tu construis stade? Non. Non, c'est bien. Tu peux laisser comme ça. À partir de cette route principale jusqu'à là. Ah, mon chien. Ok. Azibu, ok. Hmm? Maintenant que nous avons ce terrain, oui. C'est quoi la prochaine étape? C'est même pourquoi je t'avais appelé. Je veux que cet espace soit propre. Trouve quelques personnes pour nettoyer. Je voyage demain pour les gosses. Et aussitôt que je reviens ici le week-end, je veux que le travail puisse commencer ici. Il n'y a pratiquement pas de problème. En ce qui me concerne, je vais m'assurer que tout cela soit fait. Il n'y a pas grand-chose. S'ils s'amusent avec ça, je vais les gifler ici. Okay. Je vais aussi découvrir une voiture afin que tu puisses te déplacer avec. Ah, je merci quoi. Beaucoup, mon cher. Tu vas juste t'effrayer. Mes ennemis vont me tuer. Ils vont me tuer, je te jure. Arrête. Merci, mon cher. Oh, Dogu, Ibeguya, tu es fantastique, tu es formidable. Moi, en voiture. Dieu te bénisse. C'est bon. Dieu te bénisse. C'est bon. Hey, Azubuke, attends. Tu sais que j'ai été en train de penser à ceci depuis hier. C'est quoi alors? Mon frère, où est-ce que tu puisses de l'argent pour ces très grands projets que tu promets à notre communauté? Assez qui. Je suis tellement pensif depuis que tu nous as promis ces projets. Je suis en train de me demander où est-ce que tu auras l'argent. Je suis inquiet. Anayo, hein? Tu t'inquiètes assez. Hein? Dieu va toujours pourvoir. C'est vrai. Écoute, quand tu donnes ta vie au Christ, toutes les autres choses deviennent faciles. Je suis un chrétien, je suis un vrai chrétien. Azubike. Je suis un chrétien né de nouveau. Azubike. Hein? Notre maître noir a commencé à nous enseigner ceci depuis qu'on était très petit à l'école primaire. Tu te rappelles? Écoute-moi. Hein? N'ai-je jamais été dans une même école que toi? D'abord. Si ce n'est pas à cause de toi, est-ce que je sais combien ça coûte ça? Donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu verras que le monde. Hey! Amen! Allons-y! Hey! Chile Kwele Mweno! Hey! Crois en Dieu et fais du bien. Fais de l'Éternel tes délices, et lui, il rendra droit tes sentiers. Amen. Hé mon Dieu, maman, je suis de retour. Assieds-toi, qu'est-ce que tu as comme nouvelle? Extraordinaire. C'est quoi, parle-moi, qu'est-ce maman, qui s'est passé? Maman, tu as raté, j'aurais souhaité que tu sois là. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est Azubikeo. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi? Azubike a fait un don de 5 millions de naira. Hein? Maman, je n'ai pas dit 100 naira. Oh. Laisse-moi me répéter. J'ai dit 5 millions de naira pour l'église. 5 millions? Non seulement ça. Oh. Il a acheté une nouvelle voiture pour notre révérend. La même marque pour celle qu'elle avait achetée pour Bemekania. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ce sont des blagues ou quoi? Maman, Azubike est riche. Maman, Azubike... Obobo, tu es de retour. Voilà, j'étais juste en train de t'attendre.
Pars et repasse pour moi cet habit. Je vais les porter ces après-midi, s'il te plaît. Ok. Oh, vas-y. To acquire money, fortune, and fame can drive you insane, and you will do things that's hard to explain. And even oh, mes chers amis, Adugo, mon ami, hey, oh, je te salue, ma belle. Bienvenue. Merci, merci, ma chérie. Mes chers. Bon, dites-moi, comment allez-vous? Hey, ma chérie, nous allons bon, bien, ne t'en fais pas. Une fois encore, merci d'être venu. Et je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre longtemps. Ce n'était pas de mon intention. Il n'y a pas de problème. Et je peux dire merci de m'avoir reçu. Merci. Je peux voir que vous représentez le femme de cette communauté. Oui. Merci. Je suis la présidente. Celle-là, c'est ma secrétaire. Soyez les bienvenus. Et celle-ci, notre trésorière. Tu es le bienvenu. Merci énormément. Merci. Vous voyez, je vous considère toutes comme les femmes de cette communauté. Alors, je ne peux pas vous écarter dans le projet de développement et de la transformation de notre communauté. Dans tout ce que j'entreprends, j'aime toujours mettre en avant les femmes et les enfants. Oh, alors, je me suis décidé d'installer un centre de développement pour femmes et aussi un centre d'éducation pour adultes pour vous toutes. Hey! Oh! Ça, c'est une bonne chose. C'est très bien. Alors, je vous ai appelé. Je veux que vous vous sentiez libre. Dites-moi les champs dans lesquels vous voulez de l'aide dans cette communauté et je serai là pour vous aider. Enfin voilà un homme. Nekoube, notre fils. Je ne sais pas comment te remercier. Concernant ce que tu viens de dire par rapport à l'aide, je peux que tu nous donnes le temps. Comme nous allons partir, nous allons réfléchir ensemble et te revenir. Oh, s'il te plaît. Ok. Les femmes, ai-je bien parlé? Oui. Oui. Merci énormément. Ma secrétaire, je ne sais pas si tu as aussi à dire. Ah! Merci, ma présidente. Notre fils. Nous, les femmes de cette terre, nous sommes heureuses pour toi. Merci énormément. Et sur ce, heureuse que tu entres dans notre village. Tu sais, il y a plusieurs hommes riches dans cette communauté. Mais une telle chose n'est jamais survenue dans l'histoire de notre communauté. Oui. Comme notre présidente l'a dit, nous allons partir vers le peuple que nous représentons. Et nous allons te revenir. Ok. Et je profite de cette occasion pour te remercier pour la scolarisation et l'éducation que tu donnes à nos enfants. Et je dis que Dieu continue de te bénir, de te bénir, de te bénir par le nom de Jésus. Amen. Mes collègues, je vous salue. La femme bénie, je te salue. Tu es une bonne femme. En permettant à ton fils de faire toutes ces bonnes choses pour notre communauté. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui va l'admettre. Hein? Ça, c'est un exemple pour toutes les femmes de cette terre. Tu le mérites sincèrement. Permets-moi d'être direct. Mon Dieu continuera de te bénir et ta famille par le nom de Jésus. Amen. 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 Hey, oh, mon Dieu. Vous remercier. Mais en somme de toutes choses, ce que je compte faire pour vous n'est qu'une partie de la fondation, de choses qui sont à venir. Waouh! Alors,
Je veux dire merci à chacune d'entre vous. Que Dieu te bénisse. Et je veux commencer par... Je vais vous donner un petit rien. Ça, c'est 100 000 naira pour toi. Waouh, quelle bonté de cœur. Voici aussi 100 000 naira pour toi. Merci, que Dieu te bénisse. Voici aussi 100 000 naira pour toi. Oui. Hey, mon Dieu. 100 000. 100 000. Merci, que maman. Que Dieu te bénisse. Les fils de notre terre. Oh, que Dieu te bénisse. Essayez de vous calmer. Oh 100 000 naira pour moi. Est-ce que vous avez vu ça? Vous aviez vu ça? Si vous avez besoin de vous parler, vous pouvez alors passer par ma mère. C'est pas un problème. C'est très bien. Seulement comme ça. Maman, Annie, ça va? Ne m'oublie pas. Pour cette affaire. Oui, Ichaka. Et Zidike. Il y a un adage qui dit ceci. Accorder de l'honneur à celui qui le mérite. C'est ça. Et toi et moi sommes amis depuis un très long moment. Et tu es très très bon envers moi. Et parfois, je ne sais même pas comment je peux te remercier. Et en appréciation, à part la vache, la chèvre, le poule... les noix de cola, la boisson et le papier de cigarette. J'ai aussi emmené cette voiture. Tu as fait quoi? Je t'ai payé cette voiture. C'est à qui? Ichaka, mon meilleur ami. Tu m'as jeté cette belle et précieuse voiture. Je t'ai trouvé une voiture, elle t'appartient. Hé! Hey mon frère. Tu veux dire que cette voiture est à moi? J'ai payé cette voiture pour toi. Elle t'appartient, Ichaka. Quoi? Le Dieu m'a fait une faveur. Je n'accepte pas. Ça m'étonne si cette voiture est à moi. Hein? Ça me fait rire. Aujourd'hui, c'est mon jour. Hein? Ah. Je serai compté aussi parmi les riches. Cette jolie et précieuse voiture neuve. Hey! Aujourd'hui, c'est une surprise inattendue. Est-ce que tu aimes ça? Ojemba a réalisé sa promesse. Qu'est-ce que j'ai pu te donner en retour que de te remercier? C'est bon alors. Chiki. Oh oh! Tu aimes ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'offres cette jolie voiture. Ah, ah, c'est quoi? Ah, ah, les contacts? Le clé de contact pour ta voiture. Alors, je vais bientôt m'arranger comment apprendre à conduire. Oh, tu ne sais pas conduire? Oui. Non, ne t'inquiète pas, je vais te trouver un chauffeur qui va te conduire. Tu ajoutes encore? Il faut aussi t'apprendre à conduire, fais-moi confiance. Biko kana wala no mo melifo. C'est très bien. Hey, Odogu, Odogu,
Odogu. Ichaka. 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 Odogu, je ne crois pas que cette voiture est à moi. Ichaka. Ichaka. Profite de ta nouvelle voiture. Je te verrai après. A plus, hein. Hey! Mon cher, sois le bienvenu. Oui. Comment vont tes parents? Ils vont bien. Chai, tu as bonne mine. Merci, maman. Maman, j'étais venue vous voir et votre mari, je ne sais pas s'il est là. Chai, il vient de sortir il y a quelques minutes. Ok. Maman, je veux garder la relation que j'ai toujours eue avec cette famille. Et j'espère que votre mari puisse me comprendre. Oui, je prie qu'il va te comprendre. Je me considère comme un membre de cette famille. Oui, ça c'est la vérité. Mais je me sens très très mal. Et vous savez pourquoi? J'ai fait beaucoup de choses pour d'autres familles. Je me fais pour la communauté. Mais je n'ai encore rien fait ici. Chai. Et je me sens si mal à cause de ça. Alors maman, je veux que vous puissiez m'aider à convaincre votre mari. Dites-lui de m'accorder une chance. Et je vous promets que je ne veux pas vous décevoir. Si je suis venu, c'est pour vous dire que je veux faire construire pour vous une maison. Une maison? Oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux faire construire une maison pour cette famille. Une maison? Oui. Pour nous? Oui. Hey, hey. Et maman, en parlant d'ailleurs, j'étais en train de penser, vous voyez, Eboubé ici présente. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est vrai. Alors je me suis décidé de prendre en charge sa scolarité jusqu'au niveau où elle voudra. Ah, hey, mon Dieu. Merci, c'est très gentil. Mon fils. D'accord, merci. Merci beaucoup. Hey. Lève-toi. Je te remercie infiniment. Merci, maman. Mon fils, pour que je convainc mon mari. Mm-hmm. En tout cas, je t'assure, c'est déjà fait. Je te l'ai dit. Tu sais ma prière? Non, maman. Mon Dieu, le Dieu fidèle que je sers continue à te bénir. Qui te donne la richesse, Amen. La prospérité, Amen. Tout le jour de ta vie, au Amen. Nom de Jésus. Amen. Construis une maison pour nous. C'est bon, maman. Et bébé Chukou, s'il te plaît, va vite préparer quelque chose pour lui. Non, ne te dérange pas. Mets-toi. Tu ne veux pas maman, manger? Je vais bien, j'ai mangé avant. C'est vrai, ça? Oui, maman. Hey, sois le bienvenu. Oui, maman. Et d'ailleurs, en fait, je dois déjà partir. Hein? Oui, c'est bon. Maman, voici 200 000 naira pour vous. Oui. Pour moi? Oui, c'est pour votre famille, au cas où vous voulez acheter quelque chose. Tout ça pour nous? Et, Gosibitou, maman, merci oui, beaucoup. Maman, que Dieu te bénisse. Merci. Mon fils, maman, tu es béni d'avance. Amen. Merci Amen. Beaucoup. Tu ne manqueras jamais au nom Amen. De Jésus. Amen. Merci. Prends bien soin de que toi. Dieu je viendrai bénisse. Prochainement. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Caca. Maman, montre d'abord. Ah, quitte-la. Oh maman. Oh mon Dieu, fidèle. Mon Dieu, maman. C'est pas vrai, maman. Naï. Azubike a des bonnes intentions pour nous dans cette famille. Tu sais, la relation que nous avions eue entre nous et Azubike est déjà passée. S'il te plaît. J'ai dit que je n'ai pas besoin de son argent. Va les lui dire. Dis-lui que je n'ai pas besoin qu'il reprenne son argent. Hein? Je ne veux pas de son argent. Je me contente de ce que j'ai. Mon mari, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Permets-lui de construire cette maison pour nous. Peu importe ce que tu avais contre lui, c'est du passé. Parce qu'il a prouvé qu'il est innocent. Et surtout, s'il prenait soin de scolariser notre fille, nous n'allons pas les regretter. Pour ton information, je n'ai rien à regretter. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'avoir ces remords dans mon cœur. Hein? Va lui dire que Adi B ne veut pas de son argent. Je ne suis pas intéressé. J'ai d'ailleurs appris qu'il est en train de construire des maisons pour les gens. Laisse-les construire. Moi, je ne vis pas dans une brousse. Est-ce que ça, c'est une brousse?
N'est-ce pas une maison? Nay, s'il te plaît, ne permets pas ce que nous puissions perdre cette opportunité. Tu es en train de m'énerver. Que tu sais que tu es en train de m'énerver? Hein? Tu me parles, quelle bêtise! Je pense qu'il est temps pour moi d'aller dormir, hein? Je ne veux rien venant de lui. Est-ce que c'est clair? Ha! Bonne nuit! Quelle bonne nuit! Toi aussi, c'est va vrai, dormir! Tu vas dormir? Pourquoi tu es si dur comme ça, tu ne veux pas pardonner? Permets que ces garçons nous construisent la maison. Hein? Ça, c'est quoi ça, vraiment? Ma sœur, mon mari est en train d'empêcher ces garçons qui veulent bénir notre famille. Ah, comment? Tu connais Azubike et tu sais comment il est proche de cette famille. Azubike, le fils de Ordele? C'est bien lui. Azumike a promis de faire de son mieux pour changer la condition de cette famille. Il veut construire une belle maison pour nous. Ah. Et mon mari est contre ça, il dit non. Tu veux dire qu'Azumike veut construire une nouvelle maison pour cette famille et mon frère ne le veut pas? Je ne sais pourquoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Honnêtement, s'il avait accepté, il aurait eu évolution actuellement. Ces garçons veulent construire une étage pour nous. Et mon mari a dit non. Voilà pourquoi je fais appel à toi. Parce que je sais que vous êtes proches l'un l'autre. S'il te plaît, aide-moi à le parler. Je sais que s'il avait vraiment accepté depuis longtemps, le travail allait déjà évoluer. Hey, mais ça veut dire quoi? Est-ce à cause de ce que notre père avait construit? Depuis 1930. Oh. Mon Dieu, mais ça veut dire quoi ça? Je t'ai dit que je ne comprends pas. Quel est le problème ton frère? Ma belle sœur, est-ce que sa tête tourne très bien? Pardon, essaye de le parler. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai ici demain et je vais lui parler. Je t'en supplie. Ne te dérange pas. Pardon, fais-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces messieurs? Ils se contentent de cette maison qui est construite il y a longtemps. Ils ne s'est pas sauté sur les opportunités. Regarde comment elle est vieille. C'est comme si sa tête ne tourne pas très bien. Je te dis, je reviendrai ici demain pour lui parler. S'il te plaît. Il est mon frère. Il va bien. Je sais, oui. Ne te dérange pas. Adèle, la fille. Je lui parlerai sévèrement. Il ne peut pas réfléchir de cette façon. Sois calme, ma chérie. Hein? Mmh. Je reviendrai lui parler demain. Ok. Hein? Merci beaucoup. Je ne comprends pas, mon Mario. Cette maison est vieille de 1930. Papa Ozioma. On dit toujours que lorsqu'un homme riche prend en charge un funérail, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tué cette personne. Oh. Mon frère, on dit que l'opportunité ne vient toujours qu'une fois. Bien. Mais je suis en train de voir que tu es en train de perdre l'opportunité qui est devant toi. Oh non, mais de quoi parlais-tu, hein? Est-ce un crime si je refuse que ces messieurs construisent pour nous une maison? C'est un crime. En effet, c'est un tabou. C'est un crime. Ah ah. C'est un crime. Permets-lui de faire ce qui est dans sa tête. Yeah. D'après tout, personne ne laisse plus de venir construire une maison pour nous. Tcha, c'est vrai. Personne. Pour être franche, j'étais fâchée lorsque ta femme, Amézé, m'a fait parler à propos. Qui ne connaît pas Azubike dans cette communauté? Oh. Ces garçons étaient en train de se battre pour chercher à aider presque tout le monde. De quoi parles-tu exactement? Laisse-le réaliser sa bonne intention à cette famille. Oui. Laisse-le construire ce qu'il veut. Zebou. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle tu as amené ma soeur ici pour venir me blâmer. Et c'est ça? En tout cas, tu me feras plaisir, hein? Ce n'est pas ce que je suis plus d'accord avec vous. C'est quoi cette affaire? Cette pression commence déjà à me déranger, je n'apprécie plus. Si Azubike veut construire sa maison, laissez-la construire sa maison. Ce n'est pas pour moi qui l'ai fait. Je suis à l'aise avec ma maison ici. Toi, tu as ton propre terrain. Et tu as une grande étendue sur laquelle tu as planté des choses, voire les maniocs. Il peut y aller pour construire des maisons. Je suis à l'aise où je vis. Pardon. C'est quoi cette aventure? Laisse-moi te dire, mon frère. Il va construire cette maison, hein? Il est en train de le faire pour tout le monde ici dans cette communauté. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère? En tout cas, c'est étonnant. Il ne sait plus écouter quelqu'un. Ne le suis pas. Sois reconnaissante à toi parce que tu as causé avec lui. C'est l'important. Hey! Ma femme, tu sais quoi? Va dire à Azubike qu'il vient commencer des travaux. C'est ce que je vais faire. Qu'il vient construire la maison. Je le ferai. Tu passes avec lui. Oh. Merci beaucoup. Yeah. Merci.
Honnêtement, je suis reconnaissante. Mon frère ne sait plus écouter et les gens. Yeah. J'ai insisté de toutes les façons. Ça ne marchera pas. Il ne veut pas écouter. Tu aimes la nourriture? Oui. Tu vois, à chaque fois que je te regarde, tu me fais penser à ta sœur. La manière dont elle parle, la manière dont elle sourit, tout est pareil. Elle est ma sœur maintenant. Je ne peux pas en tout cas oublier Ozuma. Et croire à ce qu'elle est partie, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui lui était arrivé. Et c'est quelque chose que je ne peux pas croire. Et des fois quand je pense à elle, j'ai comme l'envie de pleurer. Puis-je te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Peux-tu m'épouser? Tu vois, Ozuma et moi avions partagé quelque chose de très très fort. Je l'aimais énormément et elle m'a aussi énormément aimé. Nous espérions que les choses aillent mieux, mais... je ne pouvais pas croire que les choses pouvaient se passer de cette manière-là. Tu sais, l'ennemi l'a juste tué. Ils l'ont emmené très loin de moi. Quand je te vois, je la vois. Je veux juste transférer l'amour que j'avais pour elle chez toi. Si tu m'épouses, je promets de toujours prendre soin de toi. Je promets de t'aimer comme j'avais l'habitude de l'aimer. Nous pouvons construire quelque chose. Fais-moi confiance. Je sais bien comment est-ce que tu aimais ma sœur. Et je suis très contente que tu cherches toujours à maintenir la bonne relation que tu avais avec elle. Mais je te suggère de venir voir mon père. S'il donne son avis, je n'aurai pas de problème. Mais tu sais que ton père et moi n'avons pas une bonne relation. Il n'est pas gentil envers moi. Je sais. Fais juste ça. Ok. Je ferai comme tu l'as dit. Crois-moi, ce n'est que toi qui payeras le prix parce que tu es la seule personne qui puisse convaincre ton père. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ok, mais tu ressembles énormément à ta sœur. La manière dont tu parles, la manière dont tu souris... Arrête, tu me fais rire. Ok, je vois que je reçois déjà une première chose. Tu as dit que Azubike t'a fait une demande? Oui, maman. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que voulais-tu que je lui dise? Je lui ai dit de venir voir papa. Et si papa donne son avis, le mien ne sera pas un problème. Qu'il vienne voir ton père ou pas, tu es déjà sa femme. Mm-hmm. C'est ça, non? Je veux dire, tu auras l'occasion de contrôler son argent. Hey, maman. Je ne me marie pas à lui à cause de son argent. C'est à cause de Ozuma. Ça, c'est pas un problème. L'important est que tu vas te marier à un homme riche. Écoute, maman. Écoute. J'ai peur que papa ne donne pas son aval. Oublie ton père. Oublie-le. Fais en sorte que Azubike termine de construire notre maison. Ça, c'est ce qui est important. Hey, il est pressé de venir voir papa. Ça, c'est pas un problème. Dis-lui de venir d'abord me voir. Il doit venir me voir en premier, hein? Attends-moi ici, je vais aller chercher ta nourriture. Non, maman.
ne m'emmène rien. Il m'avait fait sortir et il m'a acheté plein de trucs. J'ai mangé, oh. J'ai bien mangé là-bas. Vous vous promenez tous les deux? Je suis sûre qu'il n'est pas allé jusqu'au... Quoi? Ah! Maman, s'il te plaît. Mais ça, c'est ce qui est important. Si tu es grosse, ton père n'aura plus de choix. Il va accepter les faits. Et il dira, je vous bénis au nom de Jésus. Non, je refuse cette bénédiction. Ça, c'est pas un problème. Mon Dieu, je te remercie pour ces jours. Mon Dieu a répondu à ma prière. Et tu vas l'accomplir, mon Dieu. C'est comme ça que ça va se passer. Hey, mon Dieu est merveilleux, il existe. Ça, c'est ma fille. Écoute, papa est là-bas, non? Arrête ça. Moi, je suis heureuse. Hey. Money, fortune and fame can drive you insane. And you will do things that's hard to explain. And eventually you will have yourself to blame. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est toi. Regarde-moi la belle dame que tu es devenue. Eh Boubé, comment ça va? Et les études? Oui, ça va. Regarde comment tu es devenue. Maman, regarde-moi un peu comment elle est devenue. Je suis heureuse. Maman, merci maman. Oui, apportez. Hey, mon Dieu. Merci maman. Merci beaucoup. Maman, belle que tu nous vois maintenant là. Nous venons droitement de la cité. Eya, c'est le bienvenu. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Oui, ça va. Amen. Il n'y a pas de problème. C'est juste que Azubuike devait être ici lui-même. C'est vrai. Mais compte tenu de ses affaires avec ses associés, okay. Hein, il a dû m'envoyer pour vous laisser. J'espère que tu vas bien. Maman, venez avec moi. Je peux venir? Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Maman, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis très fatigué. Voyez ce véhicule. Il est à vous. Votre fils vous l'a acheté. C'est pour vous et pour votre famille. Moi? Oui. Et voici votre chauffeur. Il était le chauffeur d'Azobuike. Mais désormais, il est celui qui commencera à te conduire. Son nom est Junior. Ma propre voiture? Exact. Hey! Comment c'est pour la famille? C'est faux, il a dit ma voiture. Il a parlé de ma voiture. Hey! Hey! Ma voiture! Ouais, c'est une bonne voiture. Hey! Qu'est-ce qui a sonné comme ça? Maman, c'est pour la voiture. Junior, viens ouvrir pour eux le véhicule. Ouvre la voiture. Son nom, c'est Atama. Non, vous pouvez entrer par là. Attends. Non. Attends. En tout cas. En tout cas, regarde-moi ce que tu dis. Oh. C'est ton véhicule, tu peux l'appeler comme tu veux. Non, ça c'est pas vrai. Oh. Vraiment. Vous avez une voiture, vous avez une maison. Je me mets une voiture. Je suis devenu par toi. C'est ma voiture, c'est la mienne. Maman, je vais rouler carrosse. Ah maman, toi. Tu as dit son nom, c'est Tano. Non, Junior maman. Non, Junior. Hey, bientôt je vais rouler avec Dino. Oui, Dino. Hey, Papa Ozioma, ça c'est notre nouvelle voiture. Oh. Je me suis dit que je viens te montrer. Azubuike a acheté cette voiture pour nous seuls. Il nous a même donné un chauffeur pour nous conduire partout. Son nom c'est Dino. Lui c'est bon mon mari. Monsieur. C'est un fait gentil. Amazing. La voiture non, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille.
la famille. J'allais dire, il faut oublier ton kéké là que tu te promènes avec moi, que ça te tue. Tu veux juste te laisser comme ça. Et maintenant, tu peux rouler dans cette voiture. Amazé. Tu vas entrer à l'intérieur. Tu vois ton comportement. T'enverras à un endroit que tu n'as jamais espéré. Je t'ai déjà dit que je ne veux absolument rien venant de ce garçon. Naya, hein? Tu ne peux pas dire ça, Naya. Il est gentil envers nous. Ça, c'est une nouvelle voiture. C'est nouveau sur le marché. Ah, la voiture des excellences. Naya, viens, non? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, mon chéri, oh. S'il te plaît, ouvre le portier pour lui. Nous allons sortir ensemble. Oui, Naya, attention. Naya, tu veux pas sortir avec nous? Papa. Non, je ne les comprends pas du tout. Et d'ailleurs, pardon, faut l'oublier. Il est trop capricieux, je ne sais pas ce qui lui dérange. Aujourd'hui, moi, je roule en carrosse. Pardon, entre là-bas, on va partir. Papa. On va faire la fête, Ça, c'est bon. On y va! On va s'amuser. On y va. Et c'est un crime si nous amenons une voiture. C'est un crime. Amazé. Est-ce que moi j'ai déjà demandé à Azomoïke de m'acheter une voiture? Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà demandé la raison pour laquelle il est vraiment généreux envers notre famille? Il est fait chez tout le monde. Il résout le problème des gens. Et chez nous, c'est aussi différent parce qu'il aime beaucoup notre famille. Naï, as-tu oublié? Vous me donnez vraiment la peine dans cette maison. Je vous préviens, hein? Ce monsieur vous a construit une belle maison. Pourquoi continuez-vous à venir ici pour venir me déranger? Qu'il vous a acheté des choses, des voitures, hein? Hein? Voyez? Vous ne voulez pas m'écouter, mais un jour vous m'écouterez. À bon attendeur, un seul mot suffit. Maman, je sais pas pourquoi papa se comporte comme ça. Je n'arrive pas à le comprendre. Honnêtement, je ne comprends rien du tout. Je ne veux plus continuer avec la pauvreté. Regarde un peu, je me suis assise ici, je transpire. C'est pas comme dans ma nouvelle maison. Oh, il y aurait eu le climatiseur qui allait me rafraîchir. Regarde ce que je porte. Je dis non à la pauvreté. Je rejette la pauvreté de notre Jésus. C'est une malédiction et un crime. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a des réactions comme ça envers Azibi. Et dans tout ça, tu es un vieillard, tu refuses de te réjouir, ne serait-ce qu'une fois dans la vie. Mbabiko. Maman, s'il te plaît, allons-y. Voilà une raison pourquoi je n'aime pas venir ici. Si j'étais chez moi, je n'allais pas transpirer parce que le climatiseur allait me rafraîchir. Pardon, on y va. Papa, c'est exactement pour ça que je suis ici. Hi, tu es le bienvenu. Merci, maman. Chai, merci. Sois l'aise, oh. Chai. Tu viens me dire que tu veux mon accord pour prendre ma fille en mariage. Oui, papa. Je ne peux jamais donner mon approbation. Azobike, tu ne peux pas épouser Ebobé. Du moment où je ne sais pas encore où était ma fille quand elle avait disparu il y a quelques années. Tu me dois encore des explications sur la disparition d'Ozioma. Mais je ne peux pas te donner pour que tu puisses prendre ma fille Ebobé. Et pour ça, j'ai fini. Ne te dérange pas, oh. Tu sais quel genre de mari que j'ai. Je veux le parler. Et je vais faire un effort de le convaincre. C'est bon, maman. Je l'ai entendu. Viens, allons-y. Ne te dérange pas. Madame, on s'en va. La boisson.
Ok, j'arrive. D'accord, on reviendra. Ça va. Soyez tranquille, moi je vais faire de mon mieux. Hey! C'est quoi ça, mon Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Hey! Regarde-moi vraiment. Je m'habite bien tout le jour. Mais tu veux te marier à ta fille? Ne reste plus ici pour la seconde fois. S'il te plaît, je t'en supplie, allons à l'intérieur. Laisse-moi. S'il te plaît, hein? Je t'en supplie. Rentre Rosioma, s'il te plaît. Reviens, je t'en prie. S'il te plaît, reviens, je t'en supplie, reviens. Reviens, grande sœur, je t'en prie, reviens. Do and it all like this. Ça, c'est la deuxième fois que je vois ma sœur pleurer de la sorte. Hey. Seigneur, s'il te plaît, aide ma sœur Rosioma. Laisse que son âme repose en paix. Amen. Rosioma, tu vas continuer de vivre dans le passé? Tu ne veux pas le bonheur pour ta fille? C'est plutôt toi qui ne veux pas le bonheur de ta fille. Et je ne te condamne pas. Il t'a acheté une maison. Et il t'a aussi acheté un véhicule. Voilà pourquoi tu cherches à tout gâcher. Chérie, je ne gâche rien. Je ne gâche rien du tout. Azubike a de bonnes pensées pour cette famille. Bien. Il veut apporter de bonnes choses dans cette famille. Je ne comprends pas pourquoi tu empêches tout cela. Agnese, tu m'as bien compris. Ebobe ne va pas épouser ce garçon et n'ose plus jamais venir m'évoquer ce problème. Tu m'as saisi. Mais tu fais de blagues. Ezoube est la femme d'Azubike. Quelqu'un te pourra. Oui. Et je te préviens. Je te préviens. Reste en dehors de ce problème. J'en ai assez de souffrir. Fais attention. Tu n'es pas content qu'un jeune fasse des exploits plus que toi. Moi, tu te trompes. Je veux marier ma fille. Toi et ta maman avaient déjà reçu mon invitation. Alors, je veux que vous puissiez me dire, c'est quoi votre position par rapport à ces problèmes? Azubike, je suis vraiment très désolée. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais je ne peux pas aller à l'encontre de mon père. Ma mère a tout fait pour qu'il puisse changer ses pensées, mais il a refusé. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Pourquoi ne vas-tu pas tout droit au but? Je ne peux pas t'épouser. Désolée, je ne peux pas désobéir à mon père. Tu ne peux pas m'épouser? Azubike?
Je suis désolée. C'est bon, je t'ai entendu. On va s'appeler après. Juste comme ça? Oui, juste comme ça, sors de ma voiture. Que je sorte? J'ai dit, sors et ferme la porte. Azubi. J'ai dit, sors et ferme la porte. Que je puisse partir. Chica, je suis vraiment contente. Mais je dirais, si ce n'est pas à cause d'Azubi, qu'elle est partie au village voisin pour vous aider. Où tu as oublié la distance? Rose, notre peuple est chanceux. Nous sommes vraiment chanceux. Même. Parce que la façon dont on marchait juste pour avoir de l'eau, on devait faire plusieurs kilomètres pour avoir ne serait-ce qu'un bidon. Nous sommes vraiment chanceux. Mais, Chica, je souhaite être la sœur d'Azubike ou sa cousine, je n'aurai pas de problème dans ma vie, je t'assure, oui. Tu n'es pas heureuse de faire partie de ceux-là qui bénéficient de son programme de la scolarisation. Tu n'es pas heureuse? Ne me demande pas, je suis heureuse. Les gens disent que l'argent d'Azubike n'est pas propre. Oui. Oui, ils disent qu'il a utilisé Ozoma pour ça. C'est faux, c'est faux. Azubike aimait beaucoup Ozoma et nous le savons bien. Ça c'est vrai, mais écoute, en fait cette histoire me trouble. Allons-y seulement, on y va de l'autre côté. Nous sommes arrivés. Merci. Sois la bienvenue. Ouais, tu as dit que tu vas retourner en ville demain. Oui, et c'est pour de petits problèmes d'affaires. Et je vais revenir le week-end, crois-moi. Ok. S'il te plaît, appelle-moi quand tu vas arriver en ville. Sincèrement, je le ferai. Ok. Oui. Fais un bon voyage. Bien sûr. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Prends très bien soin je de toi. Ferai. Oh, au revoir Azubike. Oui, au revoir. Angolais. Oui. Je voulais aussi te dire quelque chose. Oh, tu vas me dire quelque chose? Ok. Je voulais te montrer quelque chose. C'est une surprise. Jean. Peux-tu m'épouser? Je sais que tu ne t'attendais pas à ça. S'il te plaît. Non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non! Je suis très contente! Oh mon Dieu! Je suis très sérieux et je vais vraiment t'épouser! Oh mon Dieu! Oh wow! C'est très bien! Oh mon Dieu, merci. Oh, c'est très beau. Oh non, c'est merveilleux. Tu aimes ça? Merci beaucoup. Wow, c'est gentil, merci beaucoup. Oh wow.
C'est gentil. Merci beaucoup. N'est-il pas celui qui a propagé la nouvelle sur le prince qu'il est le responsable de la disparition d'Ozioma? Je t'écoute. J'ai une forte pressentiment que Azubike connaît quelque chose sur la disparition d'Ozium. Rose, cette rumeur entre Angulika et Azubike, est-il vrai? Ma sœur, ce n'est pas la fausseté. Ils sont en préparation de leur mariage. Sans effet! Ha! Comment est-ce qu'elle peut faire des choses pareilles? Comment ça fait? Est-elle ignorante de la source des richesses d'Azubike? Ah, il faut que quelqu'un prévienne cette fille. Il faut qu'une personne la parle. C'est pour son bien. Oui, comme tu l'as dit, cela ne nous concerne pas de toutes les façons. Bon, je vais voir ma maman si elle est de retour. C'est bon, merci pour ta visite. On se revoit après. Azubike est vrai? Pouvait-il tuer Ozioma? Je sais combien est-ce qu'il s'aimait énormément. Hein? Peu importe. Peu importe ce que les gens disent. Je dois l'épouser. L'argent, c'est l'argent. La source n'est pas du tout un problème. Je dois l'épouser. Venu ici. Je suis là. Et tu es mon ami. Oui, je suis ton ami et je le resterai toujours. Tu dois maintenant comprendre le monde qui est là. Tu ne peux pas témoigner avec moi. Ah, Ozioma, Azubike m'aime. Et je l'aime aussi. Et il m'a demandé en mariage. Fais attention. N'essaye pas de témoigner avec Azubike. Parce que si tu l'essayes, je vais te faire regretter. Je crois que tu m'as saisi. Ozioma. Ne me touche pas. C'est un rêve. Ozioma. Mais demande de ne pas épouser Azubike. Ça, c'est étrange. Je veux dire, comment est-ce que Ozioma peut m'apparaître dans un rêve avec ce genre de message? Ça, c'est vraiment étrange.
Il y a les importants millionnaires dans la communauté d'Abuji. Puis-je te poser une question? Allez-y. Pourquoi as-tu choisi de devenir mon ennemi? Je continuerai à être ton ennemi jusqu'à ce que la vérité concernant la disparition des Isoma soit révélée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais exactement ce que je vais dire, messieurs les millionnaires. Jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Toi et moi continuerons à être des ennemis dans ces royaumes. N'importe quoi. Tu te tiens devant moi pour m'embrouiller avec des questions bizarres. C'est de n'importe quoi. Depuis quand tu es revenu de Lagos? Je suis juste revenu ce matin. Comment va ta femme? Elle va bien. Elle va parfaitement bien. Sois le bienvenu. Merci, ma reine. As-tu reçu l'invitation que je t'avais envoyée sur le festival d'Ofala? Et je pense que vous avez été honoré. Oui, bien sûr, mon roi. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu, vous voyez? Je suis si heureux que les gens de ma communauté essayent de m'honorer pour tout ce que j'ai fait. Ezobeke, tu mérites ça. L'honneur est donné à celui qui le mérite. Exactement. Merci énormément, Sa Majesté. Qu'est-ce que je peux avoir dans ma poche ici? Sa Majesté, c'est un chèque de 2 millions. 2 millions? Tu as entendu ça? 2 millions de naira. Et c'est ma petite contribution pour les festivités. Azubike, merci beaucoup. Prie, hein. C'est vraiment gentil de ta part. Vous voyez, je continuerai à faire pareil aussi longtemps que Dieu m'est béni. Azubike, honnêtement, je suis émerveillé. Je suis vraiment ému de joie que Dieu continue de te bénir pour tout ce que tu es en train de faire pour toute cette communauté. Hey, oui, merci beaucoup. J'aime toujours partager. J'aime toujours donner, par exemple comme ça. Oui, j'aime toujours partager dire. Le peu que j'ai. J'ai apprécié. Tu es vraiment un digne fils. Continue comme ça. Merci. Merci beaucoup. Sa Majesté, je dois déjà partir. Oh, c'est vrai? Oui. S'il vous plaît, passez mes salutations aux autres. Et sans problème, ne t'en fais pas. Merci énormément, ma reine. Oh, c'est bon. Merci, Sa Majesté. Bye. Prends soin de toi. Ah, ah, Sa Majesté, c'est vraiment un homme au cœur pur. Vraiment, il est toujours généreux. Ah, ah, ah. Tu n'iras pas au festival de notre roi d'Ofala? Je ne vais pas y aller, Amézé. J'ai beaucoup d'endroits plus importants où aller. Si tu iras, laisse-moi que j'aille m'apprêter comme si je viendrais te prendre avec la voiture. Je n'entrerai pas dans ta voiture. J'ai mon bicycle. Non, ce vélo-là n'est plus bon pour toi. Il faut arrêter avec ça. J'aime pas du tout ce vélo-là. Tu peux te cogner avec. Hein? Veux-tu continuer avec la pauvreté? Hein? Je veux pas que ce vélo puisse te faire du mal, s'il te plaît. Naïe. Ah! Mon chéri d'amour. Hé, hey, arrête de me déranger! C'est quoi ton problème? Je ne peux plus te toucher. Naïe. Hein, Naïe. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi un peu. Ça, hein? C'est quoi ça? Maintenant, je ne suis plus ta femme. Je finis, maman. Eboubé, Tchoukou! Eboubé! S'il te plaît, fais vite, nous devons partir. Je n'ai pas envie de manquer le début de la cérémonie. Où es-tu?
maman, ça veut dire que papa ne viendra pas au festival? Comment veux-tu qu'il vienne si c'est Azubike qui organisait le festival pour le roi Afala? Comment veux-tu qu'il vienne? Quand est-ce qu'il va oublier toutes ces choses? Thank you.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour spécial. Très spécial en effet, parce que nous sommes en train de célébrer un homme de bon cœur. Un homme plein d'hospitalité et d'amour. Un homme plein d'amour et de bonté. Nous sommes en train de célébrer notre illustre fils, Ezubike Odele et sa femme. Ajoutez à cela, ce jour marque aussi mon 50e anniversaire comme Igwe des notaires et je célèbre le festival de Fala. Je voudrais chuter en donnant la parole au Premier ministre afin de continuer avec nous. Votre Majesté, Igwe Omekanya Premier d'Abuji, je vous salue. Le moment est presque venu de donner l'honneur à qui il faut. Quand un homme est prêt pour tuer la souris, il sera motivé même de tuer le tigre. Oui, oui. Et à ce titre, j'appelle M. Oduko Billy et sa femme de bien passer devant pour les honneurs. Et Ubike, tiens-toi ici. Abondi Kenemun! Abondi Kwanu! Kwazonu! Omega! Igwe! Aujourd'hui, cette communauté s'est décidée de te donner, toi et ta femme, l'honneur qui vous est dû. Pour tout le travail que vous faites pour nous, ainsi que pour tout le monde dans cette communauté. Vous avez... Et à toi, ma fille. Vraiment. Je te donne le titre de Negora 1 de notre communauté. Que la fête commence. Music, music, music. Thank you.
dis-moi, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi. Docteur, est-ce qu'il y a un problème avec mon mari? Il n'y a absolument rien avec lui, madame. Il doit avoir eu un choc. Étais-tu là lorsqu'il était tombé? Non, je n'étais pas là lorsqu'il était tombé. Il n'y a rien à craindre, ok? Ok. Il va reprendre sa conscience dans peu de temps. Merci, merci beaucoup, docteur. D'accord, je ferai des moments pour qu'il se sente bien. Merci, merci beaucoup, docteur. C'est très gentil. D'accord, merci, docteur. Mon cœur, s'il te plaît, sens-toi bien, ok? Aoka. Grande sœur. Va me prendre mon sac dans la voiture. D'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il criait le nom de Uzioma avant qu'il ne puisse tomber. Est-ce que Uzioma lui était apparu? Oh, mais s'il l'a fait, c'est pourquoi? Oh, mon Dieu, je t'en supplie. Sauve mon mari, je t'en prie. Sauve-le. Oui, 4 millions. Et puis, 8 millions. Bébé, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Je continue à faire ce même rêve. Ça continue à persister. Je vois Uzioma dans mes rêves. Elle continue à me dire que je ne devais pas du tout t'épouser. Ah. Je ne sais pas. Elle continue à me le dire dans le rêve. Oh mon Dieu. Je viens de faire un rêve maintenant. Elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle va faire de ma vie un enfer. Parce que j'étais épousée. Je ne comprends pas ce rêve. Viens là. Viens. Je continue à la voir dans mes rêves, mais... C'est juste un rêve, bébé. Les rêves ne sont pas réels. Mais celui-ci commence à devenir réel. C'est vraiment réel. Je continue à la voir dans mes rêves. Ce n'est pas réel. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'apparaît? Calme-toi, ça va,
C'est bon. Je comprends ce qui se passe. Oh, calme-toi. J'ai très peur. Tu ne dois pas avoir peur. J'ai vraiment peur. Tu ne dois pas avoir peur. Oh, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Ok. D'accord? Ok. C'est juste un rêve. C'est bon, chérie. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis là pour toi. Je fais toujours ce même rêve. C'est bon. Je suis là pour toi. Ok? Tu ne dois pas avoir peur. Ne t'effraie pas d'eux. Demain à 2h, nous sommes convenus à faire les sacrifices dans la forêt maléfique de ma part. Tu vois apporter une chèvre blanche. 4 coqs blancs locaux. 40 bassins des ignames. 2 bouteilles de vin rouge. Et 40 noix de cola. Après les rituels, ta vie sera normale. Et à ce qui concerne ta femme, je vais préparer un traitement pour vous deux. Tu les prendras le matin, les après-midi et les soirs. Et je t'assure que jamais ta femme, elle ne sera encore jamais tourmentée de quelque chose appelé fantôme. C'est ça. Merci énormément, le grand sage. Je veux poser une question. Ma présence est-elle importante lors de cette cérémonie? Ta présence est très importante. Une chose encore. Par rapport à toutes les choses que tu m'as demandé d'emmener, ne peux-tu pas m'aider à les avoir? Je vais te donner un peu de moyens. C'est bien. Si tu veux. D'accord. Viens avec ça ici. Mets-les ici. Je t'invite, il faut Gougou. J'ai besoin de toi en ces lieux. Écoute les cris de ton humble serviteur. À toi la solution aux problèmes qui nous préoccupent. Descends pour en trouver la solution une fois pour toutes. Toi l'intermédiaire entre les vivants et les invisibles. Les grands Chaka, je m'en vais déjà. Je vais vous voir demain à la première heure. N'aie pas un autre problème. Je serai là avant toi. D'accord alors. Merci.
Qui es-tu? Qui es-tu? Apparaît à mes yeux. Où es-tu? Où es-tu? Hein? Hein? Hé! Hé! Oh! Toi! Hé! Hé! Tu sais quoi? Fais attention! Personne ne peut battre Obiadoulou. Personne ne peut me faire du mal. Personne. Tu viens ici pour m'effrayer. Tu n'as pas mon poids. Oh. Non. 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 Attends. 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 Pardon. 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 Oh, pardon, pardon, je suis fini, oh. Chaka, vous m'avez dit de vous rencontrer ici. Maman, s'il vous plaît, ne m'attendez pas cette nuit. Maman, je dois déjà être à Lagos cette nuit. Et si je ne partais pas, je vais perdre beaucoup de millions qui vont contribuer pour mes affaires. Mon fils, qu'est-ce que tu vas encore faire à Lagos? Maman, ça concerne mes affaires. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Oui, on va revenir, maman. Que Dieu te protège. Maman, qu'il te protège aussi. Garde. Qu'il te guide aussi. Merci, maman. Oui. Chérie. Maman. Maman, prends bien soin de toi, oh.
On viendra te voir prochainement. Ok, okay ma chérie. Ok, vas-y. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye, maman. Je dois comprendre pourquoi est-ce que Osioma ne nous laisse pas tranquille. Il y a certainement quelque chose qui nous a poussé à venir vite en ville. Je sais que ce n'est pas le business, comme l'a dit mon mari. Est-ce que mon mari avait tué réellement Osioma? Oh. Oh, mon amour. Mon amour. Oui, bien sûr. Je vais bien. Je m'en vais au boulot. Je te verrai à mon retour. Chérie, ne penses-tu pas qu'il est temps de trouver une bonne dans cette maison? Quand tu me laisses toute seule dans cette maison, j'ai vraiment peur. Mon cœur. Chérie, j'ai vraiment très peur. Trouvons une bonne. J'ai vraiment peur. S'il te plaît. C'est bien alors. J'essaierai de te dire quelque chose dès que je reviendrai. Ok. D'accord. Je vais régler quelques petits détails et une fois que je reviendrai, nous allons en parler. Ok. D'accord. Ok. Es-tu sûre? Je suis sûre. C'est très bien. Prends très bien soin de toi, je ok? Je pourrai. Bye. En ce qui concerne le rapport, vous n'avez absolument aucun problème. Vous êtes tous vraiment en bonne santé. Mais... Docteur, ça veut dire que... Si... C'est vraiment ça le cas. Pourquoi ma femme ne conçoit pas? Et pendant que tout est normalement en place. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous deux en bonne santé. Elle finira par concevoir. Une chose, vous devez avoir foi en Dieu. Il nous a dit de croire en Dieu. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci énormément, docteur. Ah, je vous en prie. D'accord, on peut partir. Leads to evil deeds. The desire to acquire money, fortune and fame. Sœur Ouellet. Oui, pasteur. Je te remercie infiniment d'être venue à notre culte. Nous t'espérons ici prochainement. Merci énormément, frère John. Je suis contente parce que j'ai trouvé un endroit où mes problèmes seront résolus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ma sœur, je te conseille vraiment d'être forte avec ta foi. Notre Dieu, en fait, le Dieu le plus puissant qui vit dans les cieux, c'est Dieu fera toi une victorieuse. Amen. C'est même Dieu des signes et des prodiges. Il a fait beaucoup de choses pour les gens dans cette église. Amen. Et je sais, je suis vraiment confiant que ton cas ne sera jamais exceptionnel. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère John. Je promets que je viendrai ici la semaine prochaine. Ça c'est merveilleux. Alors, je pense que vous serez ici accompagné de votre époux.
Pas de problème. Merci, je suis vraiment heureux. Allez, on fait. Passe une bonne journée. Bye. Because greed begets evil deeds. And selfishness. Oh, leads to evil deeds. Leads to evil deeds. The desire to acquire. Oh, money for. Chérie, est-ce que tu vas bien? Je ne suis pas bien. Je m'étonne pourquoi est-ce que tu refuses d'aller voir le révérend. Il a dit qu'il veut te voir. Mon amour, pourquoi t'inquiètes-tu pour de problèmes qui n'ont même pas d'importance? Que j'aille ou pas voir le révérend, ta prière nous couvre tous deux. Et j'espère que les choses puissent s'améliorer, peu importe. Mais chérie, il a dit qu'il veut te voir. Il a des choses qu'il veut discuter avec toi. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, va le voir, ok? Tu peux le voir demain, ok? Ok? Si c'est ce que tu veux, je n'ai pas d'autre choix que d'aller chez le révérend. S'il te plaît, chérie, promets-moi que tu iras le voir. Tu penses que ça va nous aider? Tu penses que c'est la solution? Ok. Je t'aime aussi. J'étais sur le point de partir avant que vous ne veniez. Voilà pourquoi je suis resté pour vous attendre. Simplement parce que j'étais impatient de vous voir. Elle me l'avait déjà dit. Frère, vous savez que votre femme est une membre très active ici. Et le témoignage sur sa personne fait beaucoup de bruit. Elle a une grande mission. Et je suis vraiment heureux que vous soyez ici. Que dirais-je? Bienvenue, mon frère. Oui. Mon frère, j'ai un conseil pour vous. Je veux que vous puissiez ouvrir votre cœur. Je veux que vous puissiez ouvrir votre cœur et venir vers ces dieux avec tout problème. Parce qu'il n'y a rien d'impossible au tout-puissant Dieu. Enfin, il n'y a rien d'impossible à lui. Tu sais, dans la plupart des cas, nos péchés nous empêchent d'être bénis. Les bénédictions venant de notre Dieu. Dans ce cas, que ferons-nous? Nous devons confesser nos péchés à Dieu. Dieu est toujours prêt à nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen, amen. C'est la promesse de Dieu qui va nous donner du repos. Alors je te supplie dans le nom de Jésus, mon frère. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Une fois que tu seras venu à lui, tu vas découvrir le bonheur de la présence de notre Dieu puissant. Alors, mon frère, je veux que tu puisses l'expérimenter. Oui. Alors, laissez-moi prier pour vous deux. Dans le nom de Jésus, je recommande votre couple entre les mains de Dieu. Abba Père, donne des enfants à ce couple. Seigneur, je te présente ton fils et ta fille.
did I do to you that made you end it all like this? You took my life away as you became my love. Peux-tu m'entendre? Je peux aussi trop bien t'entendre. Est-ce que le conteneur sont complets? Ok, c'est bien, d'accord. J'ai besoin de deux entrepôts où je peux encore garder mes marchandises. Oui. Je peux te trouver une autre personne pour t'assister. D'accord, je vais te rappeler. D'accord. Bébé? Ouais, chérie. Hmm? Je vais aller voir le révérend. Tu veux aller voir le révérend? Ouais. Et pourquoi? Chérie, j'ai très peur. J'ai peur de tout ce qui se passe dans cette maison. J'ai peur de différents cauchemars et autres. Oh, chérie, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Je dois aller voir les révérends et les inviter à venir prier ici, ok? Mais ma chérie, je t'ai toujours dit de te calmer. Je crois que tout ceci aura une fin un jour. Je crois que mes ennemis m'en veulent. Mais c'est quand? C'est quand, chérie? Dis-moi, c'est quand? Nous devons prier. On en a besoin. Chérie, s'il te plaît, on a besoin de lui. Il doit venir prier dans cette maison, je t'en prie. C'est énorme, j'en ai assez, je n'en peux plus. Il doit venir prier ici. D'accord, écoute, d'accord, chérie. Je peux lui montrer quelque chose, je t'en prie. S'il te plaît, chérie, faisons-le. Ma chérie, calme-toi. Je suis si calme et je sais qu'un jour tout ceci prendra fin. Ok. Mais au moins, ce sont mes ennemis qui m'en veulent. Peut-être que Dieu va nous aider par son canal. S'il te plaît, chérie, je t'en supplie. Ok, c'est bon, je te comprends. Tu veux vraiment le faire? Oui. Je vais le faire. D'accord alors, c'est bon si je veux le faire. C'est bon alors. D'accord. Chérie. Merci. Merci. Je t'aime aussi. Ah, doucement. Je veux qu'on l'appelle Lotana. Oh. Lotana. Pourquoi Lotana? Rien, c'est juste que je préfère ces noms. Non. Nous allons l'appeler Chidalo. Chidalo? Chidalo. Pourquoi? Tu sais que Dieu nous fait du bien tous ces temps. Il nous a tellement fait du bien. Il est vraiment merveilleux. Alors pour cela, je pense que Chidalo serait le meilleur. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Azubike. Hein? Azubike, n'as-tu pas observé les choses? N'as-tu pas remarqué que le fantôme des Ozoma ne nous apparaît plus depuis que nous partons dans cette église? Hein? Oui. Oui, tu as raison, mais je n'ai jamais pensé à ça. Oh, je suis maintenant très contente. Je suis très contente dans mon mariage maintenant. Merci Seigneur pour tout. Tu vois, tout ce qu'on disait sur toi sur le plan spirituel sont tellement faux. Ils mentaient à ton égard. Chérie, je t'avais dit que c'était mes ennemis qui m'en voulaient. Dieu va bien le punir. Il va Amen. Le punir. Amen. Alors, Chidalo. Chidalo, chérie. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Sinon, elle allait commencer à me déranger avec cette fille.
Et si tout ce que ma femme a dit sur Ozioma était vrai, ça veut dire que je suis libre. Avant qu'elle les dise, je me demandais déjà comment est-ce que le dieu a cessé de me tourmenter. Peut-être que son esprit continue à rôder autour de ma maison. En fait, on en parlera une fois qu'elle revient de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me donner la paix d'esprit. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu expliquer tout ce qui s'est passé. Comment puis-je dire que j'ai fait ça à la femme que j'aimais? J'ai vraiment honte de moi. J'ai vraiment honte de moi. Je vais confesser. S'il te plaît, je vais confesser. Avant tout, je vais d'abord demander la permission. Tu n'as pas la chance d'être sauvé. Tu n'as pas vraiment la chance. J'ai peur, jeune homme. Je ne peux pas le faire pour toi. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai deux problèmes sérieux. Et je veux que tu puisses m'aider. Je vous paierai tout ce que vous voudrez. Je vous donnerai la somme que vous aurez besoin. Jeune homme, je ne le ferai pas pour toi parce que ça va me créer des problèmes. Tes mains sont souillées de sang. Tu dois être libre. Je te conseille. Va demander pardon afin que tu sois libre. Je vais te donner 10 millions. 10 millions de naira. Jeune homme, va-t'en, ne me dérange pas. Va faire ce que je t'ai dit. J'ai dit va-t'en demander pardon. S'il te plaît. Lentement. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime, bébé. Ok, vas-y doucement. Doucement, chérie. Doucement, mon amour. Attends que j'ouvre la porte. D'accord, allons-y. Calmement. Doucement, s'il te plaît. Allons-y. S'il te plaît, allons-y calmement. Allons-y. S'il te plaît, mon amour. Doucement, avance, s'il te plaît. Allez, doucement. Encore? D'accord, avançons. D'accord. S'il
S'il te plaît, allons-y, calme-toi. Allons-y. S'il te plaît, mon amour. Doucement, avance. Docteur? Oui, doucement. Nous sommes arrivés. Doucement. Doucement, mon amour. Oui, nous sommes arrivés. Infirmière, infirmière, prenez-la. Prenez-la. Prenez l'infirmière. Prenez-la. Prenez l'infirmière. Non, non. Est-ce que je peux venir avec elle? Hein? Est-ce que je peux entrer? Fais un effort, je t'en prie. Fais un effort. Mon amour, je t'aime. Like it always happens. What is sown will be reaped. Oh, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, ok? Sois calme. So hard to explain. It might take some time. But in time, the criminal will pay for his crime. That's the way it goes. Relax. Docteur, comment va ma femme? Relax. Je dois relaxer? Suis-moi. Pourquoi dois-je me calmer? Viens avec moi au bureau. That's the way it goes. The reckoning is coming. Mais c'est quoi tout ça? It will come out in the open. Greed and selfish needs. All the evil deeds. Leads to evil deeds. Messieurs, votre femme est passée par un calvaire. Elle a beaucoup souffert. C'était terrible. C'est tordant de douleur au lit. Crions. Osioma, s'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. Elle a vraiment souffert de cela. Et après un moment, le bébé a poussé un cri de douleur. Et après tout ça, elle a rendu l'âme. Docteur, je suis épuisé. Essaye d'être fort. Je crois que ça ira. Docteur, tu as dit qu'elle était en train de crier. Osioma, s'il te plaît, ne me tue pas. Exactement. Elle est morte mystérieusement. Mystérieusement. Tiens bon, mon frère. Non, mais il y est. Ce garçon Azubike ne vient plus à la maison. Comme d'habitude. Voilà pourquoi. Êtes-vous sûr qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui. Hmm? Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris à propos de ce garçon. Mon instinct me dit que Azubuike a quelque chose dans sa vie. Tu es en train de dire que la rumeur est qui circule qu'il a une main mise dans la mort des Osuma, est vrai? Icho Zemena. Cette rumeur peut être vraie. Ça peut être vrai. Comment Azubike? Il est très riche. Il vient d'être quitté, 3 ans seulement. Il doit y avoir quelque chose derrière ça. Et je peux dire qu'il pourrait connecter avec la disparition des Osioma. Mais est-ce que tu as oublié? Oublié quoi? Mais Azubike avait juré fait même un vœu devant le peuple. Il doit les confesser maintenant. Si ses mains ne sont pas propres, telle est l'une des raisons qui ont fait à ce que je puisse douter de ses vœux. Parce que la réalité est tout autre. Hein? Mes frères, peu importe le cas, je suis d'accord avec vous. La vérité concernant la disparition de Osioma. La vérité concernant la disparition de Osioma un jour sera révélée. Je l'ai dit de tout cœur. Et je prends congé de vous. Rendez-vous demain au palais. Hein? À demain. Mmh.
Azobike, c'est quoi le problème? Azobike, où est ta femme? Parle-moi, Azobike, parle-moi. Où est ta femme? Maman Azobike est morte. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Je te fais rien. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Hey, mon Dieu, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous est arrivé maintenant? Tu nous as abandonnés. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quoi? Dieu. Ma soeur, hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Hey, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, hein? Ma fille. Oh non, mon Dieu, non, c'est pas comment vrai. Je ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille. Explique un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais faire? Elle est partie. Pendant que je suis en train de venir, j'ai senti quelque chose qui ne marchait pas dans mon téléphone. Bon, je me suis rendu compte que je devais passer de voir du menu ici. Mais je vois les gens en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher? Parle-moi, non, mon cher ami, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis fini. Par où je vais commencer? Je suis fini. Qu'en est-il du bébé? Il est quand même vivant. Par où je vais commencer? Mon Dieu! Mon Dieu, ça a toujours été comme ça. Moi, je n'ai jamais aimé cette situation. Vraiment. Ah, mon Dieu. Pourquoi me suis-je fourré? Ma femme est morte. Mon enfant est mort. Mes affaires sont en train de submerger. Qu'est-ce que ces gens vont-ils penser de moi s'ils arrivaient à découvrir que c'était moi la personne qui avait tué Ozioma? Ozioma, s'il te plaît. Ozioma, s'il te plaît, ne me tue pas. Je me suis décidé de confesser, s'il te plaît. Je veux leur dire que je t'avais tué, s'il te plaît. S'il te plaît, ne... S'il te plaît. S'il te plaît. Oh,
Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ça m'arrive? Ah mon Dieu! Itien Wibo. Ah, Itien Obono. Est-ce qu'il y a un problème? Je te vois courir sous ce soleil accablant. Ah ah. Itien, tu veux me dire que toi tu ne sais pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Tu es toujours derrière ta femme. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans ta communauté. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je m'en vais sur le lieu public pour acquérir la situation de moi-même. Je m'en vais. Dis-moi, c'est quoi le problème? Je peux décider d'aller avec toi ou pas? Itché Ogono, si tu veux aller avec moi, tant mieux. Sinon, je n'ai pas le temps d'attendre. Je m'en vais. Suis-moi. Maintenant, je ne peux pas sortir avec cette voiture. Oh? Dino! Odi, viens par ici. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis désolé. Pourquoi tu n'as pas nettoyé la voiture? Je t'ai juste en train d'apprécier. Je viens nettoyer la voiture. D'accord, maman. Hey, maman. Qu'est-ce maman, qu'il y a? Maman, donc c'est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Maman, va au village pleure, tu vas voir, maman. Tous les villages sont là-bas. Faire quoi? Maman, papa même dit qu'il vient ici pour démolir cette maison. Il vient. Ça là, ton papa, c'est pas vrai. Moi, je suis riche. Ça ne peut pas arriver. La vérité sous la mort d'Ozioma est révélée. Oh, maman. Sais-tu que c'est grand frère Azumi qui avait tué Ozioma? Maman. C'est quelque chose de très compliqué, très difficile. Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est vraiment terrible, votre majesté. Qui peut le croire? Hein? C'est vraiment incroyable. Papa, avez-vous entendu ce qui s'est passé? Un tout petit peu, fils. J'ai toujours cru que ce monsieur a le nez sale. Hey! Vous le voyez maintenant? Il a tué cette fille innocente pour rien. Et il a dessus tout le monde dans ce village, cet homme. Y compris même vous, papa. Hey, je pense que cet idiot ne s'est pas fait tuer. C'est comme si dans ces palais, je n'arrive pas à comprendre si je suis le prince ou pas. Hey! Pas de problème. Hey! Le
studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. And fulfillment, onyo Dios is a God's is all. Why you're here, why you're BJ, why you're here, why you're BJ.